Lundi 16 janvier, 7h15, 3, allée Nicolas Poussin, quartier des Lochères à Sarcelles dans le Val d'Oise. Des policiers tambourinent à la porte d'un appartement situé au rez-de-chaussée. L'État et la ville ont décidé de déclarer la guerre aux marchands de sommeil. Un des moyens, 16 opérations coup de poing, menées toutes les 3 semaines environ dans la commune, pour constater sur place l'insalubrité et la suroccupation. Avec un record tout de même pour la journée de lundi, un T3, occupé par 16 personnes.